Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout premier numéro de Téléfoot de la nouvelle saison du championnat emblématique. Ça y est, c'est la reprise. Depuis hier soir, le championnat de France a repris ses droits. Alors au programme de ce Téléfoot, bien évidemment, nous allons suivre les favoris du championnat, notamment Monaco, champion en titre, qui se déplaçait à Bastia hier soir. Bordeaux qui a fini deuxième, qui se déplaçait à Metz. Nous suivrons également le Paris Saint-Germain qui avait fini troisième, qui se déplaçait à Strasbourg, et l'Olympique de Marseille qui avait fini quatrième, qui se déplaçait à Toulouse. Et nous irons également du côté de Robert Diochon pour voir ce que le promu Rouen a fait hier soir. Rouen recevait l'AS Saint-Étienne, candidat aussi à la Coupe d'Europe pour la prochaine saison à venir. Voilà, nous allons suivre donc l'ensemble de ces résultats, et en fin d'émission, nous regarderons l'actualité de la Division 2. On commence donc les résumés de cette soirée avec Monaco, champion en titre, qui se rendait à Bastia. Premier déplacement pour l'AS Monaco à Furiani, une équipe de Bastia qui avait vécu une saison difficile la saison dernière, qui s'était sauvée à la dernière journée. Et pour le champion en titre Monaco, cet été, curieusement, pas de recrue. L'effectif est le même. Alors Bastia, en ce début de rencontre, essaye de mettre du rythme. Qui décale Caz sur le côté, un début de match à l'avantage des Bastiais, un centre bien sorti par la défense monégasque, mais ensuite Fiar va être bousculé, coup franc pour les Corses qui va être tiré par Claude Papy. C'est très bien tiré et c'est bien capté par Jean-Luc Eto'o. L'équipe de Monaco très discrète hier soir, qui aurait pu se faire surprendre en seconde période sur ce ballon perdu par Amoros. C'est Alain Fiar qui frappe, mais malheureusement ça n'est pas cadré. Attention, car vraiment le pressing de Mia aurait pu coûter très cher au Monégasque, un peu fébrile. Et c'est Bastia qui domine cette rencontre, certes sans être vraiment très dangereux, même si Mia là va rentrer dans la surface de réparation, mais sa frappe s'envole. Ça n'est pas cadré. Des bonnes intentions côté Bastia, mais une finition qui n'est pas au rendez-vous. Et encore Fiar à la 75e minute qui veut lober Tori. C'était bien joué, mais ça n'est pas cadré. L'équipe de Monaco a dominé dans ce match. L'équipe de Bastia qui a mis beaucoup de cœur. Mais voilà, ce sera cruel pour les Corses, puisqu'en toute fin de rencontre, il y aura un coup franc. Edström qui est fauché. Coup franc qui va être tiré par Glenn Hoddle. C'est le poteau qui renvoie et qui a suivi Edström lui-même. 1-1-0 pour Monaco. C'est littéralement un hold-up. Monaco n'a pas existé dans cette rencontre. L'équipe de Monaco qui n'a pas du tout impressionné hier soir les spectateurs. C'est cruel pour Bastia. 1-1-0 pour Monaco qui est déjà très réaliste. Bordeaux se déplaçait à Metz hier soir. Les Bordelais ont remporté le trophée des champions. Mais hier soir, du côté de Saint-Symphorien, il n'y avait pas de Fernando Chalana. Il n'était pas aligné, tout simplement par Aimé Jacquet. Le début de match va être légèrement à l'avantage des Messins. Inch Berger qui sert Plamen Markov. Il va plus vite que Batiston. Il frappe. Mais c'est dans les gants de Dominique Dropsy, des Bordelais qui jouent en blanc, comme vous voyez sur votre écran. Jules Bocandé essaye de dynamiser l'attaque messine. Il va servir Jean-Philippe Rohr sur le côté. On est au quart d'heure de jeu. Il va plus vite que Zoran Vujovic. Il veut centrer. Personne à la récupération. Et ensuite Bernat qui frappe ses contrées. Et Kurbos qui met ce ballon au-dessus. Des bonnes intentions côté Messin, mais pour l'instant, c'est un peu brouillon. Et Bordeaux, tout comme l'AS Monaco à Bastia, n'a pas vraiment montré grand-chose hier soir. Des Bordelais visiblement en rodage. Tigana, 47e minute pour Dieter Müller qui veut servir Lacombe dans la profondeur. Et là, Zappia aurait pu se faire surprendre, mais heureusement, Michel Hétor est le plus prompt. Les Bordelais très discrets, on l'a dit, mais qui en deuxième période vont quand même tenter des choses. Là, c'est Zlatko Vujovic qui déborde. Il centre et c'est une tête de Dieter Müller, mais ça passe au-dessus. Les Messins qui auront fait une bonne première mi-temps, mais qui ensuite se sont un peu endormis. Là, c'est Kurbos qui est lancé en profondeur, mais sans problème pour Dropsy. C'était pas du grand spectacle hier soir à Saint-Symphorien. Et en toute fin de rencontre, Touvenel qui fait une belle percée dans la surface de réparation. Qui centre, c'est sorti des points par Michel Hector. Petit pressing bordelais. On va le voir, un ballon qui va être récupéré. Girard n'a pas de solution, il temporise.
Et finalement, il va servir Dieter Müller qui file au but. C'est dangereux, mais finalement, il rate sa frappe et c'est le petit filet. Score final 0-1-0. Ce n'était pas du grand Bordeaux hier soir. PSG qui a remporté le tournoi de Paris se déplace à Strasbourg. Strasbourg qui a enregistré la signature d'Éric Pécou, l'ancien monégasque. Et effectivement, les Strasbourgeois hier soir étaient dans de bonnes dispositions et ont livré un spectacle intéressant. Bettencourt qui veut centrer pour Pécou déjà de la tête, mais ça passe au-dessus. Strasbourg domine le début de rencontre, même si PSG va réagir avec Fernandez qui sert Calderon qui veut frapper, il est contré, mais finalement Hotman s'interpose, c'était dangereux. Première occasion du PSG au quart d'heure de jeu. Mais sur la touche qui va suivre, Domenech qui lance bien en profondeur Bettencourt, il va plus vite que Janol, il repique au centre pour Éric Pécou et c'est le 1-0 pour Strasbourg qui, on l'a dit, a fait un très bon début de match et c'est le premier but déjà d'Éric Pécou sous ses nouvelles couleurs, lui qui n'avait pas de temps de jeu à Monaco. Qui visiblement hier soir avait déjà retrouvé des sensations et le sens du but et ça fait 1-0 pour Strasbourg. En tout cas, Strasbourg qui avait fait une saison très très compliquée dans l'exercice précédent, mais qui hier soir a montré de belles choses. Alors espérons que Strasbourg cette saison va réaliser une performance intéressante. Vermeulen qui profite d'une erreur défensive et qui vient buter sur Hotman. Hotman qui a été très très bon hier soir. Les Strasbourgeois un peu fébrile, hein, comme on le voit sur cette action, on est obligé de se dégager en catastrophe. Et le PSG va revenir dans la partie. Fernandez, Daleb qui décale bien le mou. Effectivement, il y a un décalage. La défense strasbourgeoise est un peu prise de court. Et Rocheteau au second poteau qui vient égaliser un partout. C'est dommage pour Strasbourg qui avait livré un très bon début de match, mais malheureusement, certaines approximations défensives ont coûté cher aux Strasbourgeois hier soir, comme on l'a vu sur cette action. Le centre de Lemou et la tête imparable de Dominique Rocheteau qui ouvre lui aussi son compteur but. Mais Strasbourg ne s'en laisse pas compter, va tout tenter pour reprendre l'avantage. Jodard qui sert Pécou, contre favorable, il frappe et Baratelli s'interpose, dommage. C'était une action intéressante. Mais c'est vrai qu'on peut se féliciter du spectacle affiché hier soir par Strasbourg. Ils n'avaient pas habitué les spectateurs de la Méno à autant d'enthousiasme. C'est Piasecki qui a le contre favorable. Finalement, c'est frappé, mais il y a une faute. Le but sera logiquement refusé. C'était un but de Bettencourt, mais il y a eu une faute de l'attaquant Strasbourg. Côté du PSG, on est quand même bousculé dans cette rencontre, mais on procède en contre. Et là, c'est Calderon qui va centrer, mais va être fauché par Carsten Nielsen qui écopera d'un avertissement. Le PSG n'est donc dangereux que sur des contre-attaques. En seconde période, Strasbourg continue de dominer. La Costa qui récupère un ballon, c'est un bon pressing pour Pécou. Bettencourt, Bettencourt qui va tout seul face à Baratelli qui frappe, mais le gardien s'interpose, dommage. Là aussi c'était une belle action. Les Strasbourgeois hier soir qui méritaient vraiment de s'imposer. Ils ont livré un très très bon match avec beaucoup de situations et le PSG était un peu spectateur de cette rencontre. Regardez encore Bettencourt qui oblige les Parisiens à jouer en retrait. Dégagement de Baratelli. On est à 5 minutes de la fin du match. Pécou très actif qui joue avec Bettencourt. C'est vrai que les deux joueurs se sont bien trouvés déjà. Pécou qui sert Carsten Nielsen. Il est tout seul. Il frappe et super barré de Baratelli. C'était la balle de break. Dommage, Strasbourg, on l'a dit hier soir, aurait mérité de s'imposer, mais en tout cas a montré de belles choses, en tout cas des choses qui contrastent avec la pauvreté du jeu alsacien de la saison dernière. On va en rester là, score final 1 partout, le PSG s'en sort finalement très bien. Marseille hein, qui a beaucoup d'ambition cette saison, qui a recruté Kenneth Brilleux, Tchou Laligne, notamment Yvon Leroux et Bernard Gengini, se déplace à Toulouse. Toulouse lui aussi candidat à l'Europe, qui a recruté Omar Da Fonseca. Du beau monde sur la pelouse et ce sont les Toulousains qui vont se créer la première occasion. Lestage, 6ème minute, qui centre pour Da Fonseca de la tête, mais pour l'instant ça n'est pas précis. Forster dégage un plan catastrophe. Kylia Touline qui frappe de loin, c'est contré.
Gérald Passy, grosse pression sur le but marseillais, finalement Stopira n'arrivera pas à récupérer ce ballon. Une belle affiche hier soir au Stadium. Marseille qui va essayer de réagir dans un match où il est quand même dominé en cette première mi-temps. Là, c'est Jean-Philippe Durand qui veut donner à Stopira. Et c'est contré, contre-attaque marseillaise. Gengini qui lance Jean-Pierre Papin. Il a le compte favorable, il va plus vite que Balint. Mais Bergerot est le plus fort. Jean-Pierre Papin ne peut pas aller au bout de son action. Juste avant la mi-temps, Balint pour Durand, Marsico, Stopira et là Da Fonseca qui est lancé en profondeur. Mais Joseph Campbell avait anticipé. Un match où il n'y a pas de réelles occasions, mais un match qui va d'un but à l'autre, même si Marseille est quand même légèrement dominé. Là, c'est Jean-Pierre Papin qui file au but et il perd son duel face à Bergerot. C'était l'action la plus franche de l'OM jusqu'ici. Un match, on l'a dit, assez équilibré dans l'ensemble. Là, c'est Marsico servi par Durand. Pour Durand, encore lui. Kydia Touline, on fait bien tourner le ballon. Da Fonseca qui vient du FC Tours, un nouvel recrue toulousaine qui déborde, il veut centrer. Marsico lui récupère le ballon, il centre et Stopira de la tête et superbe parade de Joseph Antonbet. Ça aurait pu se solder par un but, superbe tête et superbe parade. Marseille a eu chaud sur ce coup-là, Toulouse a proposé de belles choses. Kenneth Brilleux, la recrue danoise de l'OM, ici adresse un centre pour Papin, mais dans un premier temps c'est sorti par les Toulousains. Ensuite, la ligne, Linderoth, la ligne, on essaye de bien faire tourner le ballon. On rejoue avec Siskovic qui écarte bien pour Brilleux. Et Brilleux qui centre et la tête de Gengini. Super barré de Bergerot. Là aussi, c'était une occasion franche. Marseille aussi a eu des situations. On l'a dit hier soir, un match assez équilibré. Très plaisant, en tout cas, entre deux belles équipes. Hein. Marseille, cette année, visera le titre. Ce sera difficile, mais Marseille a quand même beaucoup recruté. Et Jean-Philippe Durand qui sert Marsico. Encore une balle de but. Il veut lober Joseph-Antoine Bell, mais ça passe au-dessus. Dommage. C'était la balle de match. Les deux équipes auraient pu s'imposer dans cette rencontre, on l'a vu. Mais en tout cas, le rythme était très élevé hier soir au Stadium. Et Toulouse a vraiment montré de belles choses. Quant à Marseille, il a fait un match de qualité également. Mais on sent que Marseille est encore en rodage. Et là, c'est Da Fonseca qui sert Stopira. Il file au but. On pense que Toulouse va marquer, mais là, la cage se dérobe. Le Toulousain, un peu maladroit dans la finition. Score final 0-0. C'était un bon match à Toulouse hier soir. Rouen, le promu, hein, qui joue donc son premier match en Division 1. Devant son public au stade Robert Dochon, recevait l'AS Saint-Etienne, un des Verts qui ont recruté John Sivebeck, le défenseur danois provenant de Manchester United, et Mustapha El Hadaoui en numéro 10 qui remplace Chaouch qui a quitté le club. Côté stéphanois, on essaye de presser. Les Diables Rouges sont un peu mis en difficulté. Là, c'est Zanon qui récupère le ballon. Tibeuf qui sert Garand. Il arrive devant Bensoussan, mais là, il rate complètement son tir. Il a voulu tenter un extérieur du pied. Pas de réussite, mais déjà une première occasion pour des stéphanois qui, cette saison, voudront accrocher la Coupe d'Europe. On notera aussi du côté des Stéphanois la recrue danoise Benny Nielsen sur le front de l'attaque stéphanois qui était remplaçant hier soir et qui va rentrer en jeu en seconde période. Là, c'est Bertelsen, le Danois du FC Rouen lui aussi, qui centre et c'est une tête de Mondzuk qui passe à côté. Castaneda était battu. Et oui, il y avait trois joueurs danois hier soir sur la pelouse du stade Robert Diochon, un match assez équilibré dans l'ensemble des Rouennais qui essayent d'accélérer en seconde période. Là, c'est Mondzuk qui file tout seul. Christian Lopez, lui, n'arrive pas à le contrer et c'est un centre. Et finalement, Alain Guéguer va sortir ce ballon. Pas beaucoup d'occasions, mais en tout cas, un jeu assez équilibré. Et là, c'est Mustapha El Hadaoui, la nouvelle recrue stéphanoise, qui va écoper d'un avertissement sur ce tacle jugé un peu rugueux. Corner pour Rouen, 68e minute. Sivebeck qui sort ce ballon. Et là, la contre-attaque stéphanoise va être intéressante. Larios qui donne à Rep. Tibeuf qui récupère le ballon. Il est d'abord contré, mais Rep, lui, a bien suivi. Il récupère le ballon. Il va plus vite que Jarolim, hein, le joueur tchécoslovaque. Rep qui a le compte favorable. Il rentre dans la surface de réparation. Il sent pour El Hadaoui qui frappe. Et Bensoussan sort ce ballon en corner. C'était une très grosse occasion pour les Verts.
Et on va le voir, une fin de match qui va être à l'avantage des Stéphanois. Face à des Rouennais qui reculent de plus en plus. 82e minute, Sivebeck qui lance Larios, qui centre. Et là, Benny Nielsen qui venait de rentrer, qui met sa tête, mais ça passe au-dessus. Dommage car l'attaquant danois, nouvelle recrue des Stéphanois cet été, aurait pu tout simplement inscrire son premier but. Corner pour les Verts qui poussent de plus en plus en cette fin de rencontre. Et Jean-François Larios au 20 mètres qui frappe, mais ça passe à côté, dommage. Saint-Etienne aurait mérité de l'emporter hier soir, car il a quand même montré des bonnes choses. Rouen a souffert en seconde période, hein, côté rouennais, on a fait ce qu'on a pu, score final 0-0. Voici donc à l'ensemble des résultats de cette première journée. Strasbourg-PSG 1 partout, nous l'avons vu. Sochaux qui remporte son premier succès de la saison face au promu lyonnais 2-0. Des débuts difficiles pour l'Olympique lyonnais. Montpellier-Nice 2 buts partout. Toulouse-Marseille 0-0, nous l'avons vu. Nantes s'impose 1-0 face à Toulon. Monaco s'impose à Bastia 1-0, nous l'avons vu. Rouen-Saint-Etienne 0-0, tout comme Metz-Bordeaux 0-0. Lens s'impose face à Brest 2-1. Laval et Auxerre se quittent sur un score en match nul de 1 partout. Et le Matra Racing, qui est la seule équipe à avoir inscrit 3 buts lors de cette première journée, s'impose 3-1 face à Lille. Au niveau du classement, hein, forcément le classement est provisoire puisque toutes les équipes qui ont gagné ont 2 points et donc se partagent la place de leader. Mais c'est le Racing Paris au goal average, hein, qui est pour l'instant premier, hein, devant Sochaux, Lens, Monaco et Nantes, qui sont donc les 5 équipes à l'avoir emporté. Ensuite, bien sûr, suivent toutes les équipes qui ont fait match nul, Nice-Montpellier, Auxerre-PSG, Laval-Strasbourg, Metz-Rouen, Saint-Etienne-Bordeaux et Marseille et Toulouse. Et ensuite, les battus de cette première journée, forcément avec 0 points, Brest 18e, Bastia 19e, Toulon, Lille et Lyon, pour l'instant, lanterne rouge de cette première journée. Place maintenant à la deuxième division, une deuxième division très attractive visiblement, puisque cet été, le FC Mulhouse, un candidat à la montée, a recruté ni plus ni moins que Didier Six, un international français. Donc nous allons suivre le résumé justement de Mulhouse-Guingamp, c'était donc la première de Didier Six avec le FC Mulhouse. Et dans le groupe B du beau monde, puisqu'on le sait, la saison dernière, Tours et Nancy ont été relégués forcément, auront à cœur de retrouver la première division à l'issue du championnat. Donc Tours lui recevait Cuzoulouan et Nancy se déplaçait à Guignon. Grosse sensation hier soir au stade de Lille à Mulhouse, puisque Mulhouse reçoit Guingamp avec donc Didier Six, sa nouvelle recrue. L'international français a choisi de venir jouer en seconde division pour relever ce challenge. Il faudra attendre la deuxième mi-temps pour voir ce que le public espérait. Ben Saïd sur le côté qui va centrer et Didier Six qui reprend de volée, petit filet, 1-0. Voilà ce que tout le monde espérait hier soir, c'est-à-dire la victoire de Mulhouse et un but de Didier Six. Ce scénario s'est produit, le FC Mulhouse hein, cette saison qui donc veut vraiment jouer la montée. Ce sera dur, il y a quand même Rennes-Le Havre hein, dans ce groupe, des belles équipes. Mulhouse hier soir a dominé Guingamp mais ne s'est imposé que par 1-0 comme on l'a vu. Il y aura d'autres situations. Là c'est Ben Saïd qui passe en revue la défense de Guingamp mais qui vient trouver les gants de Nadon. 1-0 pour Mulhouse et Didier Six est déjà au rendez-vous. Dans le groupe B, hein, Tours qui a été relégué la saison dernière reçoit Louan-Cuiseau, des Tourangeaux qui ont beaucoup recruté, notamment les Argentins Vargas Rios et Serge Almiron. Et ça fait 1-0 déjà dès le début du match pour les Tourangeaux. Séverin qui ouvre le score. L'équipe de Tours, elle aussi, qui mise sur son recrutement pour retrouver l'élite sans tarder. On revoit superbe centre et belle finition. Il y aura aussi d'autres situations comme juste avant la mi-temps, Varadi qui frappe ses contrées. L'équipe de Mulhouse qui domine ce match, Séverin, le buteur qui déborde sur le côté droit, qui centre. Et Almiron qui oblige Vargas à mettre ce ballon en corner. Là c'est une tête de Ferrigno qui passe au-dessus. Match à sens unique mais déjà le collectif Tourangeau hier soir a affiché une belle complémentarité. Là c'est Varadi, on est à la 69e minute de jeu, qui rentre dans la surface et il est fauché
par Zemb. Zemb qui avait déjà un carton jaune, donc forcément expulsion pour le défenseur Cuisolouan. Et donc ce sera un pénalty. Pénalty que va tirer Sergio Almiron, la nouvelle recrue du FC Tours, qui est là pour faire oublier Delionis et Omar Da Fonseca. Et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. 2-0 pour le FC Tours. Et donc n'a pas raté son début de championnat, en tout cas premier match à domicile et première victoire pour les Tourangeaux. Nancy lui aussi un relégué la saison dernière qui vise la montée directe et qui se déplaçait à Guignon. Il n'est jamais facile d'aller jouer à Guignon. Nancy qui a recruté aussi un attaquant, Ray Stephen, un attaquant écossais. En espérant que la mayonnaise va prendre, et Germain se met en évidence, 28e minute, il sert une Pierres qui est restée au club finalement. Il centre et Rubio en deux temps qui reprend et ça passe un côté. On va le voir, les Nancyens vont dominer ce match et vont mettre beaucoup de rythme, vont se créer beaucoup d'occasions. On est à la demi-heure de jeu, Ray Stephen justement, l'écossais, qui dribble deux défenseurs, trois défenseurs, il rentre dans la surface de réparation mais malheureusement n'arrive pas à cadrer. Mais en tout cas, hier soir, le néo-nancéen a affiché de belles choses et en tout cas montre qu'on pourra compter sur lui cette saison. Juste avant la mi-temps, encore un centre nancéen. Suite à un gros pressing, ça va être récupéré par Rubio qui frappe, mais c'est dans les gants de Durand. Nancy qui pousse, hein, les Guignonnais, eux, sont dominés, ils ont beaucoup de mal. Et là, sur une erreur défensive, Nagy, Antal Nagy, qui arrive tout seul face à Durand, le gardien de Guignon, mais ça ne rentre toujours pas. Nancy qui continue de dominer, Adriano Fejic, Ruben Umpierrez, Antal Nagy encore lui pour Rubio qui frappe, mais ça passe à côté, dommage. C'était une belle action. En tout cas, Nancy hier soir s'est quand même rassuré dans le jeu. Et là, c'est Adriano Fejic qui sert Ray Stephen, qui redonne à Fejic. Il arrive tout seul devant le gardien et ça passe juste à côté. Dommage. On en restera là, 0-0. C'est décevant pour Nancy sur l'efficacité. Mais en tout cas, le collectif nancéen hier soir a montré des choses intéressantes. Voilà, on l'a vu, une division 2 toujours très intéressante et on ne manquera pas de suivre l'actualité complète de cette deuxième division, on le rappelle, avec les favoris pour la montée dans le groupe B notamment, entre Nancy, Tours, il y a aussi l'AS Cannes, le Nîmes Olympique, il y a beaucoup de monde, et dans le groupe A, bien sûr, le FC Mulhouse de Didier Six, mais pas que, puisqu'on le sait, Rennes, Le Havre, Caen notamment, et Niort peuvent aussi prétendre à la montée en première division. Voilà, ce numéro de téléfoot premier du nom de la saison numéro 2 du championnat emblématique est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis et bien sûr, vous en avez l'habitude. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la suite de ce championnat emblématique. Merci à tous. Au revoir.